We can break about the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Call of Duty Black Ops Cold War. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur l'électricité, c'est le premier de la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Alors comme pour les autres Call of Duty, je pars à chaque fois de la première salle comme ça. Si vous ne connaissez pas encore bien la map, ça peut vraiment vous aider pour vous diriger. Alors aussi, sur ce Call of Duty, il y a une nouveauté, c'est la mini-map en haut à gauche. Ça peut vraiment vous aider si vous avez du mal à vous repérer. N'hésitez pas à vous en servir. En plus de ça, il y a aussi le nom des pièces qu'on traverse. Donc à chaque fois, vous voyez, dès qu'on change de salle, dès qu'on change de pièce, il y a aussi le nom en haut à gauche qui change. Et ça, ça peut vraiment vous aider pour vous diriger. Pour ouvrir toutes les portes, pour aller jusqu'à l'électricité, c'est 8250 points. Alors pour tous ceux qui ont du mal à tourner un petit peu dans les endroits les plus restreints, dans les bâtiments, n'hésitez pas aussi à vous servir de la première salle pour tourner, pour faire des points. Et une fois que vous avez assez de points pour ouvrir jusqu'à l'électricité, n'hésitez pas à y aller après. Vous voyez qu'il faut 8250 points, donc on va dire environ manche 5, vous avez largement assez. Donc n'hésitez pas à faire ça pour essayer d'économiser dans la première salle et ensuite vous faire le trajet plus facilement. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos et à tout de suite pour de prochaines vidéos.